Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'étais trop au travail hier et j'ai dormi un peu tard. Mais par la grâce de Dieu, tout se passe comme prévu, voilà. Et puis, notre bonheur ne viendra que de nous-mêmes. Ton bonheur ne viendra que par ta propre volonté et par ta propre intention. Voilà. Personne ne viendra créer un bonheur pour toi. C'est pourquoi il faut toujours garder des bonnes amitiés. Voilà. Et garder des bonnes amitiés. En fait, tout ce que tu as de bien dans ta vie, tout ce que tu as de bien dans ta vie, c'est ce que toi-même tu as construit, quoi. Ton bonheur, c'est toi qui le construis. Donc, rien, personne ne viendra construire ton bonheur à ta place. C'est ce que les gens se trompent. Les gens se trompent en comptant sur les autres. L'autre personne peut te décevoir à chaque moment, hein. Ah oui, ton grand frère Martin peut t'abandonner, hein, parce qu'il a décidé de t'abandonner, comme ta soeur. Voilà, ta soeur peut décider Martin de t'abandonner parce qu'elle a voulu. Pas parce qu'il ne peut plus t'aider. Oui, il peut décider que, monsieur, on te sèvre dès à présent, on doit te sèvrer. Alors, ça peut arriver un matin, celui qui t'a tout tellement aimé commence à te détester parce qu'il commence à en avoir marre. Voilà, donc ça veut dire, et profite de ce qu'on te donne actuellement et fais-en bon usage. Rien n'est éternel et c'est ce qui nous trompe tellement. Les gens pensent que tout est éternel, même l'aide qu'on te fait aujourd'hui là, ce n'est pas éternel. Voilà, ce n'est pas éternel. Et c'est pourquoi dans la diaspora, on a tellement des problèmes, ceux qui vivent à l'étranger, parce que la famille compte tellement sur la diaspora, jusqu'au jour où le gars découvre que, hey, moi aussi j'ai derrière ma part de femme, moi aussi j'ai derrière un enfant, je dois aussi les prendre en charge. C'est là où les problèmes commencent. Alors que voilà quelqu'un qui a de cela 10 ans, c'est lui qui paye la scolarité de toute la famille, de tous les enfants de la famille. Ah oui. Vous savez, les gens n'aiment pas souvent les discussions. Non, je n'aime pas trop discuter, je n'aime pas bavarder, non. Faites attention. C'est parfois dans les discussions que quelqu'un te lance un mot. Ça change la donne dans ta vie. À l'époque, quand je suis rentré au Cameroun, très jeune, 20 ans, 21 ans, quand je suis rentré à l'époque, je suis parti très tôt, hein. Pour ceux qui vont peut-être poser la question, mais toi, tu dis, mais tu... Non, je suis parti très jeune du Cameroun. Je suis parti très jeune. Et la vie m'a souri, comme elle sourit à plusieurs personnes, tous les fois, chaque fois. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, la vie sourit à plusieurs personnes de nous. Dans ma vie, la vie m'a souri très tôt. Je suis rentré au Cameroun. La seule personne que j'avais autour de moi, c'était la famille. C'était la famille. Et puis, quand tu es en haut du punier, c'est tout à fait normal que les gens profitent. Les gens profitent de toi. J'ai commencé à faire des choses. Je faisais des choses parce que je n'avais pas de charge. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de femme, voilà. Oui, jusqu'au moment, un moment de ta vie, tu commences à t'engager à avoir une femme, à avoir un enfant. Une fois dans les discussions, ma grande soeur a lancé un mot. Et là, ça dit donc, tu fais les bruits, oh, hey, mon fils a dans la licence, hein. Je suis parti, j'ai dormi. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Donc voilà les gens que tu soutiens. Voilà les gens que tu donnes ton argent. Voilà les gens que tu prêtes de l'argent, qui te prêtent de l'argent. Ils t'empruntent de l'argent. Et tu donnes facilement, sans condition. Mais les voilà qui te disent, elle te dit qu'elle a son fils derrière qui a la licence. C'est pas mauvais que ton neveu ait la licence. Mais pourquoi c'est à toi qu'on doit dire cela? Alors que tu as participé, tu participes à leur bonne marche, à leur bien-être aussi. De près de loin, tu participes. Donc c'est pour dire, parfois dans certaines discussions, il y a les mots qu'on te lance. Et même si on ne te le dit pas, il faut être malin. Tu ne peux pas être quelqu'un, c'est toi qui es en train de faire tout dans la famille. Mais on te dit qu'il n'est pas encore temps pour toi de te marier. Et tu montes tes dents en l'air. Non, mes soeurs m'aiment beaucoup. Mes frères m'aiment beaucoup. Ah bon? Tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 25 ans, tu es déjà millionnaire avec l'expérience que tu as eue de la vie. On te dit de ne pas encore avoir un enfant, avoir une femme, à 25 ans. Pendant
En ce temps, ta petite soeur, qui a 22 ans là, elle a déjà ses deux enfants, elle vit chez un homme. Et elle compte sur qui? Elle compte sur toi. Et son homme aussi, a 24 ans. Donc son homme, c'est ton petit frère, toi qui as 25 ans là. Mais chez toi, on te dit que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Donc tu n'es pas encore prêt. Et tu montes tes dents. Tu dis que ta famille t'aime beaucoup. Non. Quand on aime quelqu'un, on souhaite que cette personne devienne quelqu'un demain. J'ai des amis qui ne peuvent plus se rattraper aujourd'hui parce que la famille les a restreint la vie. J'ai des amis aujourd'hui, c'est des problèmes. Les amis qui ont tellement cru à la famille, aujourd'hui n'ont ni femme, ni enfant. Maintenant, leur combat, c'est chercher la femme, c'est chercher l'enfant. Ce qu'ils avaient hier. Mon ami, Dieu ne pense pas à toi chaque fois. Et Dieu peut tout te donner au même moment. Il n'y a pas un moment pour dire que non, c'est le temps de faire telle chose. Quel temps? Quel temps? Tu es sûr de trouver la bonne personne avec qui faire ça? Non, parce que les gens sont en train de remettre à demain. Non, pour le moment, tu vois un garçon qui a une grosse maison. Dans sa famille, c'est lui le moteur. Il a tout. Il a les ouvriers. Mais on lui dit qu'il n'est pas encore prêt pour avoir une femme. Et il monte ses dents. On est en train de t'exploiter, mon man. On est en train de t'exploiter. Regarde tes problèmes. Tes problèmes commencent le jour où on se rend compte que tu es déjà intéressé par une femme. Et que la femme là t'amène à vouloir déjà changer. Changer pour te bâtir une vie. Pour un avenir meilleur. Pour que toi aussi tu aies déjà aussi une famille comme les autres. Voilà là où tes problèmes vont commencer. Et que tu cèdes. Parce qu'au départ, ils te regardent toujours. Ils attendent toujours que le mot vienne de toi. Mais ils attendent. Et parfois, le mot vient de toi. Comme ça, tu donnes la force à ta famille de broyer cette fille, cette innocente, qui ne veut que votre bonheur. Parce que ta soeur aussi est chez un homme. Ta soeur est chez un homme. Ton frère a déjà sa femme. Voilà des familles où il y a des familles ici. On te montre une fille qui a déjà 35 ans. Elle a ses 5 enfants. Son mari, c'est un jongleur. Il se bat dans la vie. Il se bat dans la vie. Il fait le sauvetage. Mais c'est les mêmes personnes qui te disent à toi. Toi qui as acheté la moto au mari. C'est toi qui as acheté la moto au mari. En un an, tu payes le loyer. 6 mois parfois. Donc parfois un an là. Donc il n'y a pas. Donc 2 mois ne passent pas. Quand on t'appelle, vraiment papa, vraiment ça ne va pas, c'est chaud. D'ailleurs, c'est parfois, c'est comme si ta soeur n'avait pas un homme. Bah, tu te rends compte que c'est toi qui es en train de soulever ta soeur. Parfois, c'est comme si ton frère, ton grand frère ne travaillait pas. Parce que la majorité des temps, 2 mois ne passent pas que tu te rends compte que quand tu fais le calcul, ça peut que tu te rends compte que mais, tous les 2 mois, il dépense 100 000 chez ma soeur. Tous les 2 mois, chez mon frère. Mais oui, voilà là où tes problèmes ont commencé. Mais toi, on t'interdit d'avoir tout. Tout ça aussi. Mon ami, là-bas, c'est ta part de béquille là-bas. C'est là-bas que un jour, tu auras le goût de vivre. Le goût de vivre n'est pas quand on est seul. Voilà, le goût de vivre. Tu parles seulement fort parce que tu es encore naïf. Voilà. Tu parles fort parce que tu es encore naïf. Non, ma famille, c'est tout. Non, tu es encore jeune. Quand tu vas atteindre 40 ans, tu ne tiendras plus ce genre de langage-là. J'ai mon ami, quand je me concentrais à faire ma famille, parfois même quand c'était du dehors, je viens au Cameroun. Et puis, il voit seulement la photo. Mais elle a encore couché, man. Aujourd'hui, cet ami-là, son plus grand combat, c'est avoir une femme avec les enfants. Et c'est un problème. Nous sommes les Africains. Je ne m'adresse pas à toi qui étais colonisé, même ton cerveau était colonisé, même ton cœur était colonisé. Nous sommes les Africains. Déjà, nous ne sommes pas nombreux. La France, les Français là, ils sont plus de 60 millions d'habitants. Les Français. Les Italiens sont plus de 60 millions d'habitants. Les Allemands sont plus de 80 millions d'habitants. Mais oui, les Turcs sont plus de 90 millions d'habitants. Ça veut dire qu'ils ont accouché. Ils accouchent. Aujourd'hui, c'est normal qu'ils disent qu'ils n'accouchent plus. Voilà, nous aussi. Comment quelqu'un te dit, non, je ne cherche plus. Mais il a eu sa part. Il a déjà eu sa part. Pourquoi ils disent, oh, petit frère, que même, petit frère, je ne peux jamais dénigrer le Boza. Petit frère, chacun a sa chance. Les zodiacs ont toujours chaviré. Donc arrête de dire que le chemin là, c'est une mauvaise route. Mon ami, c'est mauvais depuis la nuit des temps.
Tu connais les amis que j'ai perdus au désert? Toi, tu es qui pour venir dire que le Bosa n'est pas bien? Dis que c'est risqué. Et rien n'est facile. Même l'avion crache, non? Même l'avion crache. C'est quoi ton problème? Que non, vraiment, je ne peux, je n'encourage pas. Tu la fermes. Tu l'enfermes, mon ami. Si tu n'as pas d'issue là-bas, il y a des gens qui ont la place là-bas. Dieu a vu ton problème. Il a donné ta part. Si je suis dans cette maison aujourd'hui, si je roule dans une Mercedes, hein, si je peux avoir mes petites choses qui me donnent un peu de quoi manger là, ça, c'est l'aventure, c'est le désert là, c'est la traversée là. Donc, mon ami, à chacun sa chance. Voilà. À chacun sa chance. Voilà. Donc, Dieu protège chacun en fonction de la mission qui va le confier. Il y a des gens que si l'enfant là ne réussit pas là, l'enfant qui est en train de partir là, s'il ne réussit pas là, dans 20 ans, on ne parlera plus de sa mère, de son père et même de sa famille. Parce qu'il y a des familles où, pour 1000 francs, quelqu'un meurt de palud. Pour 1000 francs. Pour 1000 francs, quelqu'un meurt de maux de tête ici dehors. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles ici dehors que si Dieu ne donne pas pour eux un enfant comme un protecteur, on va tout prendre leur bien. Mais oui, on va tout prendre leur bien. Avec des familles africaines que tu meurs, quand le père meurt, l'oncle a l'audace de venir chasser la mère de la maison. Vous êtes petit, tu ne peux pas te défendre que l'oncle, tu vas faire comment avec l'oncle là. L'oncle est l'ami de tous les commissaires. Souvent, l'oncle même, c'est le commissaire. Souvent, l'oncle même, c'est le commissaire. Souvent, l'oncle même, c'est le juge. Les familles bizarres. C'est quand le frère meurt qu'eux, ils décident de traumatiser les enfants. Vous croyez que si Dieu ne fabrique pas un enfant là-bas, donc ça veut dire quoi? Quel que soit le chemin que l'enfant là va prendre, il va réussir. Donc arrête ça. Même si 100 personnes meurent dans le zodiac qui va chavirer là, l'enfant là va réussir. Donc l'enfant là va réussir. Doit arrêter d'embrouiller les gens. Que non, mon ami, là où les autres échouent là, les autres réussissent là-bas jusqu'à. Attendez, voilà Francine Ganou, non? Voilà Francine Ganou, non? N'est pas une autre fierté. Francine Ganou, il est passé par où? C'était le seul chemin. Si venait te voir, tu pouvais lui faire le visa. Tu pouvais faire le visa à Francine Ganou. Tu pouvais. Aujourd'hui, là, s'il veut même la caution, je suis sûr que si Francine Ganou dépose son passeport, je veux le visa dedans. Tout le monde va se porter garant. Même les grandes agences sont capables de porter Francine Ganou. Même au check-in, je suis sûr que le check-in de Francine Ganou n'est pas comme pour toi. Alors que parfois, tu as le chaos, le vrai, vrai, l'authentique. Tu peux avoir le Bordeaux, le chaos, le vrai, vrai, là. Le passeport, la nationalité américaine. Mais Francine Ganou, quand elle est devant l'agent d'escorte, là. Hein? Les agents de voyage, là. Quand il est là dans le guichet d'embarcation, je suis sûr qu'on ne contrôle pas trop son passeport. Même si le visa est Cuba. Mais attendez, son identité, d'abord, c'est lui-même, son physique. C'est un champion du monde. Tu vas faire comment? Mais toi, tu viens ton passeport, ton frère camerounais prend comme ça. Même le français prend, il regarde. C'est le passeport français. Mais il regarde, est-ce que c'est toi? Mais Francine Ganou ne lui perd pas le temps. Il a provoqué son bonheur. Arrête-moi ça, mon man. Oh non, vraiment, j'encourage. J'encourage. On t'a dit que c'est toi que j'encourage, toi l'enfant de famille. Ça te regarde. Moi aussi aujourd'hui, tu penses qu'il va accepter que mon fils prenne le désert? Non, 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 je ferai mon mieux. Bêta, non. Je même prends mon titre foncier de ma mère. Même si je n'ai plus rien, je prends un exemple. Même si je n'ai plus rien, je pouvais prendre mon titre foncier ici, là. Hein? Mais hypothéqué, je prends pour envoyer ma part de fils qui partent légalement. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que je sais comment on peut gagner l'argent aujourd'hui. Il y a l'expérience. Voilà. Mais il y a celui qui n'a pas d'issue. Que son cerveau, là, c'est parti. Et tu parles en pécho. Parce que quand on conseille les gens que non, il y a les risques là-bas. Il y a les risques, oui, mais tu ne peux pas aussi empêcher les gens de ne pas partir. C'est pourquoi dans la vie, il y a ce qu'on appelle oui, il y a le non. Il y a les gens, quoi que tu fasses, ils seront toujours qu'à droite. Dis tout ce que tu as dit là, il sera qu'à droite. Il y a les gens, quoi que tu fasses, ils seront qu'à gauche. Ah oui. Donc, restez là, ne faites pas votre vie. Que non, je suis le chef de ma famille. Et tu vois un gars, tu entres chez eux, le gars a tout fait.
Il a situé tout le monde. Il a passé son temps à amener tous ses frères, tous ses soeurs. Amen. Aujourd'hui, c'est la guerre. Lui-même, il n'a pas eu le temps de construire sa vie. Tu amènes une soeur, amen. Elle vient là, 9 mois, elle est enceinte. Ouh, quelque temps, elle a là, ça n'a pas d'enfant. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu dis que non, je me donne un sens de la vie d'abord. Tu sais d'abord qu'il faut d'abord que j'équilibre ma famille. Tu n'as aucun respect avec un homme. Tu n'as pas le goût de l'homme. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est construit d'avoir la vie des autres. Ma chérie, tu penses que tu vas construire ta vie toi-même? C'est à toi de construire d'abord ta vie. On peut aider les autres en s'aidant soi-même aussi. Tu bats tous les hommes qui viennent après toi. Tu les bats. Non, c'est d'abord que... Non, c'est quoi avec toi? Tu es une esclave. Tu ne sais pas ça? Les gens, elle a mené tout le monde en bain. Pour finir, c'est comme même les accouchements, elle tombe enceinte, elle enlève. Après demain, boum. Mon ami, te voilà, tu as tellement avorté que Dieu a tout pris tes enfants dans le ventre. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Voilà, tu ne peux plus. Petit, tu comme ça, là, j'ai un retard. Tu trouves un bon gars, il est capable de t'entretenir. Non, pardon, ne veux pas moi les problèmes. Non. Tu es tout dans l'individualisme. L'individualisme, parce que tu ne veux pas qu'il te demande que ma chérie, pourquoi tu es toi en train de dépenser dans ta famille comme ça? C'est bien de dépenser dans sa famille, mais pense aussi à ta vie. Demain, quand les gens, quand les enfants là, qui sont venus devant toi, tes petits frères, tes petites soeurs là, quand ils vont faire leur vie là, tu sais le sorcier sera toi. Parce que tu vas croire qu'ils doivent lécher tes pieds. Et comme la vie, c'est pas ça, c'est parce que tu as aidé quelqu'un qui va lécher tes pieds. Et là, tu vas les prendre pour les arrogants et tu vas prendre ça comme un manque de respect, comme de l'ingratitude, et ça va créer des problèmes dans la famille. Mais oui, c'est pas eux qui ont dit que tu ne fasses pas ta part d'enfant, que tu ne te concentres pas sur ta propre vie. Ce n'est pas eux qui ont dit que tu ne construises pas. Aujourd'hui, te voilà, tu imposes ton petit frère que tu as amené en bain, ta soeur, d'amener aussi votre cadet. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Pendant ce temps, ils sont en chantier au Cameroun. Ça te dérange. Alors que toi-même, tu t'es sacrifié. Tu as refusé de construire ta part de maison parce que tu voulais aider les autres. Tu as même refusé les mariages. Tout le monde devant toi était un danger. Mais voilà maintenant le vrai danger que tu es en train de vivre. Ce sont tes propres frères et sœurs qui te disent même plus bonjour. On ne te demande pas d'abandonner la famille, mon frère. Il faut apprendre à faire la part des choses. Parfois, voilà, hey, tu testes d'abord une personne. Après, tu te concentres. Tu fais ta part d'enfant. Tu fais ta part d'enfant. Ma chérie, tu fais ta part d'enfant. Tout le monde peut t'abandonner. Voilà. Tout le monde peut refuser de te donner le sourire. Mais au moins, l'enfant, quand il naît au moins, même avant d'être n'importe quoi, vous allez d'abord commencer à sourire ensemble avant qu'il grandisse, prend son chemin. Comme tout le monde. Que n'importe quoi. Que oh, je n'ai pas fait ma vie maintenant. Je suis l'espoir de ma famille. Ah bon? Tu n'es l'espoir de personne. Tu n'es l'espoir de personne. Voilà. Ton père même avait l'argent, il n'a pas conçu la maison alors qu'il avait l'argent. Donc mon ami, laisse. Tu t'es battu pour être ce que tu es. Donc la bonne charité commence par soi-même. Pense aussi à toi. Tu n'es l'espoir de personne. Voilà. Si c'était ça, les orphelins font comment? Si c'était ça, les orphelins font comment? Si c'était ça, les veuves font comment? Il y a les veuves ici là que leur mari était le papa sassaillé. Il partageait, il donnait à tout le monde. Tout le monde le connaissait. Le jour qu'il meurt, il laisse sa femme en location et ses enfants. La veuve commence à faire filer beignets. Personne ne vient toquer à sa porte pour dire que voilà 1000 francs, 10 000. Jamais. 10 000, voilà. Voilà, les manques viennent fouer, non? Et pas quand il est mort, les gens ont dit que chacun est venu là faire son one-man show. Je vais prendre tel enfant en charge, je vais. Jusqu'à la dernière minute, l'enfant se retrouve qu'en prison. Mon frère, laissez ça. L'homme, c'est ça. Voilà, donc, c'est à toi de te donner ton propre bonheur. Voilà, comme je disais tantôt, vous êtes là, vous ne partagez pas. Vous savez que la page est restreinte. Vous ne partagez pas. Vous voulez qu'on fasse comment? On ne peut pas évoluer si nous sommes divisés.
C'est dans l'union que tout va marcher pour notre nation. C'est comme ça. On peut avoir les opinions contradictoires, mais sachez que dans la vie, là, pour que quelque chose marche, nous devons être unis. Voilà les Ivoiriens qui sont levés déjà sur l'affaire des opérateurs téléphoniques dans leur pays. Regardez ce qui se passe. Mais vous êtes sur la page de certains artistes, allez en train de les accompagner dans les faubourgs. Vous partagez, vous faites des choses. Voilà, ça ferait au bien. Vous savez, quand, regardez bien l'histoire de Martinez Ogo, comment ça s'est passé. Quand certains artistes sont sentis frustrés, à cause de quoi? Ils sont frustrés à cause du fait que les fans les poussent à bout. On te pousse à t'intéresser à un sujet. Moi, les publications, hey, tu ne vois pas l'affaire de Martinez Ogo. Certains ont commencé à être traumatisés. Je suis bien que revenu au meilleur sentiment avec eux-mêmes. Parce qu'ils savent le danger qui est derrière. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est virtuel. Mais ça touche la sensibilité des personnes. Parce qu'il faut être fort. Il y a dit, les débuts sur Facebook, quand tu vois, vous savez pourquoi vous allez voir beaucoup de gens porter les lunettes. Beaucoup de personnes, je suis l'une des rares personnes qui fait les directs constamment, qui ne porte pas les lunettes. Regardez bien la majorité des gars sur Facebook. Même les filles, elles portent les lunettes. Mais oui, parce que c'est frustrant. C'est frustrant. Aller s'asseoir quelque part, parler devant les gens. Et quand les gens vont prendre, ils vont relayer sur YouTube, nanani, nanana, et dans d'autres plateformes. Pourquoi c'est facile d'asseoir là, regarder les gens dans les yeux parler? Non. C'est pour dire quoi? Les commentaires que vous faites là, oui, ça touche. Surtout quand c'est pour une bonne cause. Regardez pour l'affaire Martinez Ogo. Même les blogueurs qui sont tués, qui se taisaient, après ont compris que non, ça me laisse plus. Vraiment. Elles ont vu comment leur cote de popularité avait baissé. Hein? Leur audience avait baissé. C'est comme ça. Leur audience avait baissé. Les gens oublient parfois que non, j'ai mes fans, ils seront tous là pour me soutenir. Quand ils se rendent compte que tu es faux dans une histoire qui est vraie et que tu donnes une fausse opinion, tu te désavoues de cette situation, tu es du côté du bourreau, fais attention. Les premières personnes qui t'abandonnent, qui savent déjà que tu es pour eux, c'est ceux de ton camp, hein. Vous voyez parfois les audiences là, quelqu'un fait une vidéo, il a tellement d'audience, les curieux sont du camp d'en face. Hein. C'est pour venir écouter qu'est-ce que celle-là va dire. Celui-là va dire quoi? Ce n'est pas les personnes qui sont avec toi. Hein. Non. Les personnes qui sont avec toi sont déjà de ton côté. Et ils savent que vraiment, actuellement là, tout a baissé pour toi. L'audience a baissé. Faites attention, une stratégie. C'est une stratégie. Parce que eux maintenant, là, comme ils savent que non, tu supportes tu es du côté du bourreau, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent écouter ce que l'adversaire va dire. Ils commencent à mettre les têtes de mort, ils commencent à mettre même parfois les cœurs, ils finissent par se tromper des cœurs, ils mettent les têtes de mort, parfois ils se trompent des têtes de mort, ils mettent les cœurs. Voilà. C'est comme ça, ça donne l'audience à celui-là qui est du côté de la vérité. Et quand tu es du côté de la vérité, ça ne trompe pas, ça ne manque pas. Avec le temps finit par tout te donner toujours raison. Donc c'est pour dire quoi, mes chers frères et sœurs, il faut partager le live. Nous devons toujours être du vrai côté, le côté de la vérité. On va dire tout ce qu'on va dire, mais on va finir tout par gagner. Où sont les gens, les tout-puissants aujourd'hui? Quand on disait que le tout milliardaire, le tout-puissant milliardaire, l'enfant adoptif de Paul Biya, nanani, nanana, il est où aujourd'hui? Il n'est pas allé coucher. Il est couché. C'est pour te dire que quoi? Toi qui avais cédé au mensonge, toi tu as cédé au mensonge. Aujourd'hui tu vois que chacun va tomber un jour. Donc c'est mieux d'être du côté de la vérité. Quel que soit le temps que ça prendra, le temps va te donner raison. Même si tu es déjà mort, c'est même si tu es pourquoi il y a jamais mort, on finit par les honorer. On les vénère. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu le vrai combat. Ils étaient du bon côté. Le problème, il faut être du bon côté. C'est ce qu'on va retenir de toi. Et pour quand tu es mort, on retient de toi les actes que tu as posés vis-à-vis des autres.
C'est ça le plus important dans la vie. Donc nous devons être unis. Que d'être là, chacun de son côté à droite. Non, voilà l'affaire de Orange. Les Orange, les MTN là, on doit les boycotter. Mais oui, on doit les boycotter. Et il y a les sujets où c'est vous qui devez mettre cela à la puce d'oreille des artistes, des comédiens, des influenceurs. Quand vous n'avez pas honte, voilà les Apoutou, chacun donne son point de vue. Sur les MTN, Orange, les Move, là-bas en Côte d'Ivoire, vous êtes ici, vous embrouillez les gens. Vous embrouillez. Apprenez ayons là du boycott. Ayons là du boycott. Parce qu'en boycottant ceux qui ne veulent pas s'intéresser à ce sujet-là, hein, vous apportez un plus dans votre propre vie. Parce que regardez, voilà que voilà, ta mère met 5 000 pour un mois. Elle ne fait pas une semaine avec. Alors que c'est toi qui fais tout pour ta maman. Ta maman dépend de toi. Dans ta famille, c'est toi le maillot jaune. C'est toi qui t'occupes de tout le monde. Mais imagine, tu mets le crédit souvent à ta mère, 10 000, que 1 giga par jour. Ça n'atteint même pas une semaine, c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, eux-mêmes viennent au Cameroun, ils disent que Internet est cher. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as 50 000 abonnés, tu as 100 000 abonnés, tu as 1 million d'abonnés. Qu'est-ce que tu fais? On voit, je vois que c'est compliqué, hein, ce pays. Le pays, c'est compliqué. Tu vois une fille... Ami, ben c'est quoi? Oh? Ben c'est les bas soi-disant actrices, les bas soi-disant acteurs, ou bien c'est soi-disant artistes. Quelqu'un met un habit. En moins de 30 minutes, quelqu'un a 30 000 likes. 30 000 likes. 30 000 likes. 5 000 commentaires. Mais c'est quoi? Vous êtes les êtres humains, même. Et souvent, tu vois les gens que tu connais. Elle dit à ma femme que je vois tes commentaires dans certaines choses. Tu vas me sentir. Je l'ai dit à ma femme que si je vois tes commentaires dans certaines places-là, hey, arrête-moi ça. Donc, c'est ça que tu encourages là. Toi, tu te lèves chaque matin à 5h ici, là, 6h de temps, malgré que tu as une bonne chez toi. Tu te lèves parce qu'il faut que tu veilles ici. On a bien lavé les enfants. Si chacun a pris son petit déjeuner. Et voilà ce que tu peux liker. Ça, c'est bien, c'est sa vie là-bas. Hé, hey, tu es ma femme. Arrête ça. Il y a des choses qui ne se passent pas chez moi. Comme depuis la nuit des temps, les histoires, la fête des femmes là, où c'est le 8 mars. Hé, hey, arrêtez-moi ça. À chacun de créer son bonheur. Chacun de bâtir son empire. Ici, c'est mon empire. Je suis le chef de famille. Ce n'est pas la dictature. C'est la logique. C'est moi le chef. C'est moi qui donne l'orientation à suivre. Venez me dire quoi là? Alors, la fête des femmes, la fête, le 8 mars, journée internationale de la femme, hein, de l'émancipation de la femme, mais parle à tes enfants, parle à tes filles. Apprends à préparer un mets, comme tu le fais constamment. Au lieu de les amener, bah, porter le cabas. Vous donnez l'argent à nos bourreaux. Vous donnez l'argent à nos bourreaux. Et chance que, voilà, les filles comme les Lady Ponce. Vous savez, quand tu es du côté du peuple, même Dieu te donne l'inspiration. Aujourd'hui, on comprend que le fond de Lady Ponce, c'est une bonne fille. Mais oui, c'est pas facile. Elle a tiré le titre depuis combien d'années? Les gens sont venus là s'embrouiller. Elles ne peuvent pas. Voilà. Même les dénonciations des autres, elles forcent seulement. Parce que nous tous, on connaît leur bord politique. Leur bord politique, c'est un papa qui est au pouvoir depuis 40 ans. Ah oui. Lady Ponce, tu sens que elle est là où elle est par son talent. D'abord, elle danse plus que les tous. Elle a le talent, elle est inspirée. Toujours les tubes, les tubes, les tubes. Voilà. Tu comprends quand quelqu'un donne son amour pour le peuple. Alors, pour le peuple, c'est ça. On a besoin. Les carrettes Fosso, elle a l'international. Hein? Elle a l'international. Quand vous dites, soyez-vous du côté du peuple, votre inspiration ne tarira jamais. Ça ne peut jamais tarir. Quand tu es du côté du peuple, les gens refusent. Tu ne peux jamais souffrir quand tu es du côté du peuple. Donc, ça veut dire, vous les femmes, là, levez-vous. Allez identifier, allez sur les pages des gens, là. Hey, vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire. Allez sur les pages, même Chris M, même les locaux. Tout le monde, il faut aller taguer les gens. On est dans les fausses discussions.
Que wow, mais alors ça dit que Stanley Nono a fait que wow. Vous êtes tout du côté du faux, vous amenez les titres. Mais elle dit, mais bon, Stanley Nono là, oui. Il a tous les titres du monde. Mais nous, on profite quoi dedans? Nous, on profite quoi dedans? Vraiment, on profite quoi? Vous savez, j'ai toujours dit, je respecte celui-là qui part dehors, qui se bat, ou bien celui qui est sur place, qui avait les autres ici, parce qu'au moins, il nourrit les autres. Les gens comme les Stanley Nono, c'est une place. On s'en fout de tes Grammy, ou c'est quoi, ou bien c'est vague. On s'en fout de ça. Ça mène ça. Ça a changé quoi sur le Cameroun? Ça a changé quoi sur le Cameroun? Parle-moi de Richard Bona aujourd'hui qui combat un combat pour le peuple. Voilà là où on dit tchakap respect. Qui a le titre que Richard Bona a? Voilà Martinez Ogo, il a parlé. C'est Stanley Nono là. Au moins, Malox joue parfois au fou, comme on dit qu'il est fou là. Mais au moins, il est au Cameroun avec les Camerounais. Et les Camerounais travaillent pour lui. Il nourrit les Camerounais. Mais c'est clair, il y a là où moi. D'office, quand tu viens, tu as tort. C'est bon, quand je pars dans une affaire, je vois un gars de la diaspora. Avec, je suis d'abord du côté du gars de la diaspora. Parce que souvent là, mon ami, on vit dans un monde où on ne manque pas. On vit dans un monde où on se soucie des uns et les autres. Ça veut dire que quand un gars de la diaspora ou bien une femme de la diaspora se plaint, dedans, il y a 99%, on ne dit pas, on ne boit pas le cas, dit oui. Mais il y a 99% de la vérité. Que le type-ci là, il a mangé mon argent. Dans mon choc mado. C'est comme ça. Nous sommes plus victimes. Alors, les quand les noms, ils sont là, ils cherchaient leur position, une place. Aujourd'hui, il est là, il ne vit même pas d'avoir comme un Camerounais. Il vaut Richard Bona. Il vaut Richard Bona. Qui a le Grammy Award, les histoires qu'on dit que Bruna Boy là, Richard Bona a eu ça depuis, ça fait plus de 15 ans. Et il est Camerounais. Le petit qui était en prison récemment là, Richard Bona lui a donné son salaire pendant un an. Donc il dit que bon, comme, le jour que tu sors, je te donne. Et Richard Bona a fait parvenir l'argent là. Le petit qui était en prison là pour la bananerie. Voilà comment on dit qu'on mène un vrai combat. Les stands, les noms, c'est les gens qui n'joum joum. Qui n'joum joum, qui n'joum joum. Mais oui. Il ne sortit pas là-bas. Il ne sortit pas là. Vous êtes là en train de supporter. On s'en fout des titres. C'est vous qui venez. Vous, les mêmes personnes. C'est quand même terrible. Hein? Il y a le petit ici là qui marche avec Cabral. Là. On appelle qui là? J'ai cru qu'il devait sortir de la prison. Il a commencé un peu à intéresser. Il joue un peu derrière ou intéressant. Mais je vois que c'est juste pointant. Voilà, pointant. Un coquet diamanté. Tu ne sais pas parler français. Wouh, wouh, mais attendez. C'est toi qui dis que Coco Bernard n'est pas parlé français. Mais on t'a dit que non, ça ne construit pas un pays, le français. Le plus important, c'est l'eau qu'elle donne aux gens. Le plus important, c'est l'argent qu'elle donne aux gens. Quand tu donnes à quelqu'un, la personne peut être malade, s'acheter un comprimé. C'est le plus important qu'on a besoin là-bas. On s'en fout du reste qu'elle sait parler français ou pas. C'est la même chose. Ça sert à quoi si Stanley Nono a tous les titres du monde entier, s'il a rempli les plus grandes salles en Europe, et qu'un Camerounais ne profite pas de cela. On s'en fout. Samuel Eto'o, quand même, on voit sa famille ici, là. Sa famille est là. Quand tu passes là, tu vois. Au moins, il a occupé le sol quelque part. Il a une maison là quelque part. Il s'intéresse de l'histoire du Cameroun. Malgré qu'il est champion. Il est champion dans le monde entier. Les Français, nous, on voit ce qu'on dit que quand il a réussi pour sa communauté. Malos a son sénat là-bas à Yaoundé. Ce qui est sûr que même un sans-abri peut venir se coucher là-bas. Ça veut dire que déjà, il abrite les Camerounais. On peut chasser même l'un de ses ouvriers ou bien l'une de ses ouvrières. Elle tourne, elle dit que vraiment boss. Même si elle ne dit même pas. Elle négocie avec le gardien. Mais quand le boss va partir, non, pardon, je vais dormir ici là. Au moins. Mais l'instant, les noms sont là, c'est une place. C'est une place, il faut arrêter ça quand même. Ce que Malo dit, c'est la vérité. Voilà, Malo lui-même, c'est défaut, mais une idiote, il est toujours collé à côté des gens. Il colle. Mais quand tu vrais, Stanley Nono a chanté quoi pour mériter tous ces prix? Parce qu'on dit dans la vie, la nature horreur du vide. À force de s'accrocher, on finit par penser à toi. Il s'accroche aux gens. Et puis le moment quand on veut dessiner les titres, on part, on dit Platinum, le Tanzanien, tu es talentueux. On part ici, on voit tel, tu es talentueux. Mais on se rend compte que les Camerounais, parfois, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est souvent là comme il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que bon, il y a une place qui chôme là. Bon, ok. Dis donc, on donne ça au Camerounais, ce qui est parmi nous. C'est comme ça, c'est l'amitié, c'est vrai. C'est vrai. Donc arrêtons, c'est un débat. Alors.
Ouais, je croyais que le petit avait changé, mais il n'a pas changé toujours. Parce qu'il est toujours d'un côté trop de jouissance. Il n'a pas tout changé. Il n'a pas tout changé. Les gens pensent que parce qu'on part en prison, que non. Quand on part en prison, on sort, on dit qu'on est normal. Non. Ce n'est plus là. Il n'y a plus les jeux de mots. Hein. Soit tu deviens faux, soit tu demeures faux. Soit tu deviens vrai, soit tu demeures faux. C'est comme ça. Nous, on a fait la prison. C'est le pourquoi je n'aime pas les dettes. J'ai fait la prison à cause des dettes. J'ai fait la prison à cause des dettes. Donc je n'aime pas les dettes. Je n'aime pas les dettes. On peut être ensemble là, je meurs devant toi. J'ai un problème. Je ne te demande pas que prête-moi. Non. Je ne te demande pas que prête-moi. Je peux te demander une somme dérisoire que toi-même tu peux me donner. Voilà. Mais quand on parle d'accord, les sommes, c'est un genre de somme d'argent. Non, non, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Parce que j'ai tout peur. Je suis frustré, quoi. Je suis frustré. J'ai peur que hey, quelque chose peut tourner là. Je n'arrive pas à te rembourser. Et puis ça crée des problèmes. Donc, je peux mourir là, j'ai des problèmes. Je ne te demande pas le prêt. C'est clair. Donc nous devons changer les Camerounais. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire chaque jour là. Vous êtes en train de vous changer la scène. La scène, ça va à gauche. Attendez, vous avez vu ça? Ailleurs, c'est les femmes qui imposent, qui donnent l'orientation de l'artiste. L'artiste, les femmes s'intéressent à un sujet. Tac, directement, l'artiste est obligé de s'intéresser au sujet là. Quand vous voyez la sortie de ce jeune frère en Côte d'Ivoire, ça ferait au bien. Vous voyez, il monte le téléphone, il dit que ça là, ça ne fait pas de sens. On n'a pas un problème. Si vous voulez, vous faites ça comme un problème, mais je m'en fous. C'est ce que le peuple pense. Il dit que voilà ce que le peuple pense. Nous sommes la voix de 100 voix. Mais ici, vous allez voir quand l'homme camerounais sort, un artiste camerounais sort. Vraiment, Orange, je pense qu'il faudrait baisser les prix parce que je. Non, non. Un artiste, quel que soit le bord, que tu sois chanteur, comédien, musicien, whatever, peintre, et tout ce qui va avec, influenceur, quand tu veux déjà parler, dis que voilà ce que le peuple est en train de dire. Parce que tu es la voix de 100 voix. Et c'est ce que Safara ou bien a dit. Tu n'es pas en train de mener un combat pour toi. Non. Parce que si c'est le combat, en réalité, tu as parfois réussi dans ton domaine. Mais ce que tu t'inquiètes de celui-là lui-même, l'opérateur, et du peuple. Et pour cela, tu te lèves. Tu dis, voilà ce que le peuple demande. Nous sommes ici avec des gens qui fabriquent des faux buzz. Qui font les faux buzz. Et le Cameroun a besoin des artistes engagés. Aujourd'hui, tout le monde est là focalisé sur Vassero. Vassero, Vassero. Mais oui, il a persévéré. Vous tous, vous voulez faire la musique qui va vite marcher. On va me connaître vite. Ah bon? Mais on va aussi vite oublier. On va aussi tout vite oublier. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de bâtir ta vie sur le sable mouvant. Sors les tests. Sont les chansons que. Elle dit que même après toi, on va penser à toi. Aujourd'hui, vous voyez comment la nature est reconnaissante avec Vassero. Il a été boycotté au Cameroun, fermé partout. Mais, regardez, aujourd'hui, la nature lui est reconnaissante. Mais oui, c'est comme ça la vie. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut persévérer. Il faut persévérer. Mais est-ce que toi, tu parles à faire ça? Nous tous sommes courts. Non, je veux la visibilité. Non. C'est le pourquoi moi, tu me tagues là, tu me clashes, je ne réponds pas. Parce que je ne suis pas venu sur Facebook pour me clasher. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un voice une fois. Tel a dit qu'il va te clasher. Il a dit que, dis-lui que, qu'il clash toute la vie, je ne réponds pas. Mais s'il amène les débats politiques constructifs pour le Cameroun, je peux le répondre. Mais si ça soit pour dire que tu dis que tu as quoi, tu dis que tu es qui, tu dis que je ne suis pas dedans. Parce que ça n'apporte rien à mon pays. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même pitié de la Mercedes là. Il n'y a pas de route. Donc hier, on accepte que hier, on était fautif, on était naïf. Hier, on accepte que on était naïf de construire une grande maison comme ça. C'était pour aller où avec, dans un pays comme ça là. Oh, c'était la naïveté, c'était la bêtité, c'était la folie de grandeur. J'étais naïf. Tant pis pour toi si tu n'avoues pas. Tant pis pour toi si tu penses que être riche, être heureux, c'est parce que tu as les immeubles dans un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas de lumière.
Ça sert à quoi? Si tu as peint une maison blanche, oui, dans un pays où il n'y a pas de route, il y a la poussière partout. Mais elle va se détériorer. Tu as quel budget pour peindre ça chaque 6 mois? Tu vois l'argent du Cameroun? Ça sert à quoi de t'offrir une Mercedes de luxe, peut-être à 45 millions à l'époque? Et puis, il n'y a pas de route. Et il y a la poussière partout. La poussière va aller dormir sur les capteurs. Tu roules parfois, tous les roues se bloquent seules. Alors que c'est le capteur que la poussière est partie verrouiller, fermer. Donc tu te sens heureux dans ça? Non, je me sens pas heureux dans ça. Je me sens pas heureux dans ça. C'est clair. Bref, je me sens pas heureux dans ça. Je vais me sentir heureux. Ok? Je me sentirai heureux quand je croirais que tout le monde peut avoir la route. Moi, je n'ai pas de route. Les pavés s'arrêtent là devant ma maison, quelque part là. Je n'ai pas de route. On n'a pas de route. Et même si c'est le cas, même si j'avais la route devant ma maison, est-ce que les autres ont? Est-ce que les autres ont? Quoi? Tu vas demander là-bas. On t'a laissé ça hier, non? Donc pour toi, là, tu es heureux parce que non, tu es laisse. Je pensais comme toi hier. Pardon, being wise man. J'ai compris que non, tu n'es pas heureux parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger parce que tu as l'eau chez toi, parce que tu as pu t'offrir un forage. Le voisin, lui, n'a pas le forage. Parce que l'eau de la Sinec n'arrive pas dans le quartier. Ça s'arrête que peut-être à 2 km. Tu n'es pas heureux parce que, quel que soit ce que tu fais, ton petit frère ne s'en sort pas. Tu n'es pas heureux et que ta vie est en danger. Tu n'es pas heureux parce que te voilà. Tu as peur de partir chez ta soeur manger la nourriture parce que tu as peur de son mari. Mais oui, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu vas être heureux comment? Nous sommes dans un pays où à toute heure, on peut acheter la conscience de ton proche. Il finit avec toi. Tu n'es pas heureux. Tu es heureux comment? Tu construis une grosse maison, oui. Oui, tu as mis le groupe électrogène, mais c'est toi ce qui est heureux. Mais à côté, va, alors, sors alors. Va. On a coupé la lumière dans tout le quartier. Tu as le groupe électrogène. Bon, que ton groupe électrogène là électrifie tout le quartier, alors on voit. Oui. Que le groupe électrogène électrifie tout le quartier, on voit. Mais oui. On va voir. Là, tu sauras que tu es heureux. Parce que le bonheur se construit. Le bonheur, c'est autour de nous. Ce n'est pas sur nous, non. Le bonheur, ce n'est pas sur nous. Le bonheur, c'est autour de nous. Et quand autour de nous est heureux, automatiquement, nous sommes heureux. C'est un peu comme les femmes. Beaucoup de femmes se plaignent, se voient parfois. J'ai souvent dit à ma femme que si je sors avec toi, tu es épanoui. C'est parce que je suis heureux à la maison. Tant que je ne suis pas heureux, je te mets mal à l'aise. C'est clair. Elle dit, ah bon, oui, c'est clair. La vie, c'est comme ça. Quand vous voyez souvent une femme là, elle est épanouie, elle peut faire ce qu'elle veut, son mari ne parle jamais, non. N'oubliez pas le grand travail que cette femme a bas à la maison. Oui. J'ai connu un oncle, tu partais chez lui, c'était le problème. On disait que la femme, c'est une femme de fer, elle commence son mari. Mais avec le temps, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est le mensonge. Tu vois comment quand l'homme est rentré, la femme a enlevé les chaussures. Chérie, tu manges quoi? Oh, elle s'occupe de son mari. Elle veille, toi tu peux le faire. Et quand le mari rentre, tu es rentré chérie. Maman, c'était comment la journée? Terminé. Elle connaît tant son mari, elle ne va pas bavarder. Elle lit le visage, mais tu es au Cameroun, tu viens parfois là, tu entres. Tu étais où depuis là? Ah bon? Parfois même, peut-être c'est là, tu es même rentré sans voiture. C'est après qu'on se rend compte. Parce que, on vit pour soi seul. Vous voyez, les femmes qui viennent en mariage vivent pour elles seules. Elles viennent au mariage pour vivre seules. Elles ne vivent pas avec les autres. Donc, elle ne sait même pas savoir si son mari est rentré à la voiture. Tu sors d'où comme ça, chérie? Oui, tu sors d'où? Tu as compris le but de la voiture? Non. Mais tu cries sur un homme comme ça, là. Mais c'est comme ça. Donc, construis son bonheur. Pourquoi on m'a dit que les gens sont mariés? On va épouser les sorcières. Tu vas faire même 100 ans de concubinage là-bas. Tu as dit qu'on manque de respect à un homme. Tu veux qu'un homme t'épouse et tu le manques le respect. Tu parles n'importe comment. Demain, quand même, te chasser. Les gens pensent que non, le diplôme, c'est mon ami, ça n'empêche pas les gens de se séparer. Laissez ça. Voilà. Si tu aimes une femme, tu dois être prêt à la perdre. Et si tu laisses qu'elle perdue dans ça, mon ami, tu vas mourir étant vieux avant la fleur de l'âge.
Tu vas mourir avant la fleur de l'âge. Une femme qui ne cherche pas à savoir ce que son mari traverse, tout et tout. Mon ami, hey, parle quoi là? Ce n'est pas la dictature, c'est les normes de la vie. Voilà. Quel que soit ce que tu vas faire, l'homme dépense plus l'énergie psychologique, physique, morale que toi. Voilà pourquoi les hommes meurent vite. Alors, donc moi là, Amito Songa, ou comme tu es avec moi, hey, hey, ne me dépense pas. Ne me dépense pas. Je n'ai pas envie de mourir vite comme mon père. Ne me dépense pas. Voilà. Voilà. Ne me dépense pas. C'est comme ça. Tu me dépenses comment? Ils sont ici dehors les sorcières. Tu sors d'où? Sors d'où? Il sort sur ta main. D'abord, j'ai un gars de marrant. Hein? Quand tu me demandes la question, allez, coche ou fesse. Et là, tu vois quelqu'un entre à 22, ça a la boue sur lui partout. Hein? Que peut-être la poussière du Cameroun est partie entrer dans le capteur. Tu as abandonné la voiture quelque part là-bas. Quelqu'un vient te dire que tu sors d'où? Quoi, tu es rentré tard? Ah bon? Tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Donc, tu m'appelles pas, tu m'attends que je rentre. Ça veut dire que j'accepte ta raison, mais pas ton autorité, madame. J'accepte ta raison. Tu peux avoir raison, mais pas jamais ton autorité, j'accepterai. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. J'ai trop souffert pour qu'on m'impose un rythme de vie. Voilà. C'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que tu as vu à ton père et ta mère. Tu vas aller faire ça que là-bas, pas chez moi. Il y a aussi des hommes qui acceptent ça. Non, tu sais, c'est ma femme, non? Bon, bah, dis-moi, tu es un petit depso. Le traumatisme qu'on va te faire va te rendre pédé, dis-moi. Non, ma femme est comme ça, elle est impulsive. Ah bon? Elle est impulsive, ta femme est impulsive. Non, je la supporte comme ça, ah bon? Oh, voilà un futur gars qui va se transformer bientôt, double sim. Que ma femme est comme ça. Et moi, tu vois un gars là. Avant, que je me lève le matin, que je ne vois pas mon thé devant, tu vas me répondre comment ça s'est passé là. Ça va faire un problème. C'est-à-dire on va croire que peut-être tu as détourné mes dos. Que je me lève le matin, je ne vois pas mon thé. Fais là, même si c'est humide après, il n'y a pas un problème. Au moins tu as fait. N'importe quoi. Aujourd'hui, les hommes meurent vite à la fleur de l'âge. Vous avez vu nos grands-parents mourir vite. Ils ne mouraient pas vite. C'était les hommes prêts. Voilà. Est-ce qu'ils géraient leur tour? Comme tu as dit là, c'est ce qui va se passer. Terminé. Il continue sa route. Ma grand-mère, je me souviens, ma grand-mère, on partait au champ. Quand on partait en vacances en Banga, on partait au champ le matin. Avant, celle-là est partie. Nous, on arrive avec le grand-père. Donc, la grand-mère est debout depuis 5h30. Elle arrange les choses. Le mari est pas au champ peut-être à 6h. On la retrouve peut-être à 7h30. Elle se prépare à rentrer vers 16h. On va finir de concasser le cacao. On va arriver à la maison vers 18h. Il y a déjà la nourriture, au moins pour 15 personnes. Ma petite grand-mère était petite de corps comme ça là. Ma petite grand-mère chérie. N'importe quoi. Donc, ne nous unissons pas, restons là, dans le désordre. Mais Vicky, c'est comment? Est-ce que tu vas bien? Angela Ondombo. Donc, le président qui propose donne 1 million de dollars. Regardez un monsieur comme ça. Il donne 1 million de dollars. Donc, les Camerounais souffrent ici, donne 1 million de dollars. Donc, il ne savait pas. Je vais faire une vidéo sur ça alors. Donc, Popol donne 1 million de dollars à un pays qui est plus riche que le nôtre. Ah, vraiment, le père là, vraiment. Le père là, il me wonder. Hein. Donc, tu donnes 1 million de dollars à un pays qui est plus riche que ton pays. Ils ont les routes. Ils n'ont pas de problème de délestage. Ils n'ont pas de problème d'eau.
Mais c'est nous que la nature a tout donné gratuitement. Mais on a tous les problèmes. Même l'argent, on a. Ah, Franck Tala, Zlan Ibra, Olivier Longchamp. Comment, j'espère que vous allez bien. Faut acheter les jus de canne, hein. Il y a les jus de canne. Achetez les jus de canne. Faites la recette. Faut faire la recette. Faites la recette. Voilà les jus de canne. Achetez. Vous voyez, on congèle d'abord. On congèle. Il y a les bouteilles de 1000 francs. 2500. Voilà. Il y a les bouteilles de 1000 francs. 2500. Voilà. Donc voilà, je reprends mon numéro 683-40-97-55. 683-40-97-55. Voilà, c'est le numéro si tu veux passer la commande du jus de canne à sucre. Voilà. Donc n'hésite pas de m'appeler. Voilà. Il y a les produits, hein. Il y a les produits. Il y a les produits pour la goutte. Les bas de pied qui chauffent le matin. Et la goutte, le moment le plus fort de la goutte, c'est la joue, c'est le matin. Voilà. Quand tu te lèves du lit le matin, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Voilà, tu n'arrives pas à fermer le poignet comme ça. Et parfois en journée, quand tu as la goutte, à un moment, tu n'arrives même pas à arrêter le verre comme ça. Bah, ça fait tellement mal. Donc voilà, je te conseille de prendre ceci. Et le temps de te soigner. Voilà, la goutte, les symptômes de la goutte. C'est une maladie très nuisible. Donc voilà le produit. Voilà, on a le stock en France et au Cameroun. Voilà le produit pour la calvitie. Voilà, vous voilà, ta calvitie s'aggrave nuit et jour. Tu l'as, tu regardes comme ça là. Non. Moi-même, j'avais la calvitie. Ici, comme ça là. Mais voilà le produit qui m'a sauvé. Tout ce que je vous vends là, moi-même, je les ai utilisés. Tout ce que je vous vends là, moi-même, je les ai utilisés. J'avais la goutte. J'ai les prothèses dedans, non? J'avais la goutte. La goutte, j'avais mal partout. J'avais mal partout. Mais voici le produit qui m'a aidé, qui m'a sauvé. On devait m'opérer même. Ma part était grave. Mes pieds gonflaient seuls. Et que mes dessus de pieds là, ça gonflait. Donc tu appuies comme ça, tu vois comment le trou. Le trou reste. Et après ça monte seul. J'étais malade. Je ne portais plus les chaussures à cause de la goutte. Et voici le produit qui m'a sauvé. Voilà, voici le produit pour la calvitie. Voilà. Voilà. Si tu veux même la barbe beaucoup, si tu as les chutes de cheveux, voilà le produit. Voilà. Ça, on a que le stock au Cameroun. Ça veut dire que si tu achètes, ta personne va monter avec. Donc voilà. Voilà le produit. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voici le produit pour l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. Regardez, 5 étoiles. Voilà. Voilà aussi un autre combat. Vous voyez souvent les hommes qu'on domine chez eux là. C'est les hommes qui n'arrivent plus à satisfaire leurs femmes. Maintenant, elles prennent cet alibi comme une manière d'imposer à son mari ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut faire et où elle veut partir. C'est, tout ça, c'est à cause de toi. Tu as honte de te soigner. Mon frère, à un moment de la vie là, la seule personne que tu ne dois pas avoir honte devant elle, c'est ta femme. Mais voilà un gars qui est malade, il souffre. Tu montes sur une femme. Mon ami, un moment viendra, tu vas perdre le goût de ta femme. Si tu continues, tu vas perdre le goût de ta femme. Parce que pourquoi tu auras honte? Et tu vas transformer l'alcool à ta femme. Pourquoi il y a des gens ivrognes qui transforment les bars à leur maison, les boîtes de nuit à leur maison? Pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il n'a plus de rôle à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut maintenant seulement qu'il donne l'argent à sa femme. Occupe-toi des enfants, occupe-toi de la nourriture. Mais lui, il passe tout son temps. Beaucoup de ces personnes-là sont des personnes qui n'ont plus la force de faire même 20 minutes sur la femme. Ils vont te dire, non, tu sais que depuis là, je m'intéresse plus. Tu mens. Tu mens. Soigne-toi, petit idiot. Arrête de suer les hommes. Parce qu'avec ta mentalité là, voilà pourquoi ta femme manque le respect aux hommes. Elle pense que tous les hommes sont faibles aux fesses comme toi là. Il faut te soigner, petit rat. Voilà un produit. Arrête de faire ça, ce que tu es en train de faire là. Voilà le produit. Sylvie Vallon, c'est comment?
Il faut te soigner, soigne-toi. Arrête de suivre les hommes. Beaucoup des hommes que vous voyez là, on impose là. Tu vois, l'homme gifle. Une femme gifle son mari en public. C'est, vous allez voir la raison. Le type là. La femme là ne gifle plus. Elle est stressée. Donc elle il faut qu'elle fasse ça pour se sentir mieux. Que, mais regardez-moi, non, ça ne me baisse pas depuis. Il monte sur moi, il fait 2 minutes. Il monte sur moi, il a versé comme le canard. Hein? Le canard. Il ne sent même rien. Il me parle fort devant les gens. Mon ami, l'homme d'abord, c'est un homme. Parce que c'est lui qui jouit. C'est lui qui fait jouir sa femme. Quand tu ne fais pas jouir ta femme, tu perds 80% de ton pouvoir et de tes forces. Un homme doit faire jouir sa femme. Même si c'est une fois. Même une fois par semaine. Une femme qui jouit 4 fois par mois n'a pas un problème. C'est l'homme qui doit jouir pour être à l'aise. Mais oui. Mais oui, c'est important. Alors pourquoi vous allez voir les hommes ici dehors, tu vois les femmes partout là dans les snacks avec les autres hommes. Ça ne dérange pas. Parce que ça, ils ne croient plus à ça. Et dès lors que tu ne te soignes pas, l'éjaculation précoce, ça te cause ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, en réalité, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'existe pas. La faiblesse sexuelle, c'est le manque de confiance en soi. Et quand tu n'as plus confiance en toi, ton cœur ne bat plus. Ton cœur ne ressent plus le plaisir. Il n'y a aucun plaisir qui attire ton cœur. C'est parce que tu ne peux plus satisfaire quelqu'un. Et quand tu ne peux plus satisfaire quelqu'un, ta femme, tu manques la confiance en toi-même. Et quand tu manques la confiance en toi-même, voilà pourquoi ça se lève plus. Mais souvent quand tu es seul, quand tu es de bonne humeur, tu vois comment ça se lève. Ça se lève souvent seul. C'est pourquoi tu dis, la faiblesse sexuelle n'existe pas. Mais l'éjaculation sexuelle existe. Donc voilà le produit. Voilà. Puisque tu vas utiliser ça pour un temps, après, tu vas voir que tu n'as plus besoin de ça pour encore passer à l'acte. Parce que celle-là qui te méprisait et qui te chosifiait va retrouver le plaisir. Elle va te donner ton respect. Parce que le traumatisme qui cause la faiblesse sexuelle, ça ne se lève plus. Donc, c'est pour dire quoi? Tu dois te soigner l'éjaculation précoce qui te fait souffrir. Là. Soigne-toi. Et quand on dit soigne, ça va, je vais dire un Mbanga Diaspora, vous êtes nombreux là. Un Mbanga Diaspora, vraiment, j'ai acheté les 1 là. Non, achète. Tu ne peux pas faire 5 ans de maladie, tu viens acheter un paquet. Non. Tu ne peux pas souffrir depuis 5 ans, depuis 2 ans, tu viens acheter un paquet. Achète. Achète même 3, achète même 4. Surtout que ce n'est pas un produit qu'on dépend de ça. Comme je dis, quand tu utilises ça, voilà 6 sachets. Quand tu utilises un sachet, tu vas faire au moins 3 jours, ou bien 2 jours, souvent 4. Oui, comme moi à l'époque quand j'utilisais ça. Je faisais une semaine. Moi-même, j'avais l'éjaculation précoce. Quand tu commences à entrer beaucoup dans les affaires, et vous allez souvent voir certains qui souffrent de l'éjaculation précoce, soit c'est les gens qui viennent des familles un peu bien nanties, soit c'est les gens qui touchent l'argent, qui brassent les millions. Voilà. Et j'avais ces problèmes-là quand à un moment, ça donnait, il y avait beaucoup d'argent dans ma vie. Mais oui, j'ai commencé à souffrir de l'éjaculation précoce. Oui, toujours en train de dire que non, la bonne nourriture, le bon vin, ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. On finit par être malade. Tu montes sur ta femme, tu vois, tu as fait 5 minutes, tu as un jet. Mais est-ce que c'est normal? Elle te demande si tu viens la chatouiller. Que tout ça, c'était pour ça. Donc tout ça, c'est pour ça, là, pour faire 5 minutes. Non, mon frère, les millions que tu as ne feront jamais l'amour à ta femme. Le million ne doit pas faire jus ta femme. C'est à toi de faire jouer ta femme. Si tu ne peux pas, elle va aller payer quelqu'un qui va le faire à ta place. Et ça, ta vie en danger. Parce que quand la femme commence à partir dehors, c'est un danger. Pourquoi? Elle part avec son cœur. Elle ne part pas comme toi avec ton corps. La femme part dehors avec son cœur. Et quand elle part avec son cœur, elle est capable de tout ramener là où elle part souvent là. Et comme toi, tu vas refuser, ta vie en danger. Voilà la différence. Parce que toi, tu vas dire que non, comment? Et tu vas dire que elle va dire divorçons, tu vas refuser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir avec ta vie. Et partir avec tout ça. Aller voir un voyou. Il faut faire attention. Comme le combat, si j'ai dit l'autre jour, que les combattants, les vrais combattants, oui, le super love, ça ne manque pas.
Les vrais combattants, cherchez les combattantes. Ma chérie, prends ton temps. Ou cherchez un gars, un non-name, qui n'aime pas dans les affaires des réseaux sociaux là. Bah, vous voyez comment certains combattants ont eu des problèmes ici récemment. Oui. Parce qu'une femme qui ne juge pas, c'est un danger pour elle-même. C'est un danger pour la société. Regardez ce qui est arrivé à certains combattants. C'est la même chose comme ta femme à la maison. Tu t'amuses, elle va aller dehors. En cherchant juif, elle va caler. En cherchant à juif, on va lui faire le chantage. On va lui faire les vidéos. On va garder quelque part. On va lui faire le chantage. Chantage, chantage, chantage. Et ça va créer des problèmes. Demain, tu vas découvrir la vidéo. Tu vas la mettre dehors, oui. Mais tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. C'est toi qui as créé le problème dans ta famille. Un homme doit protéger sa famille. Quand on dit que protéger sa famille, c'est global. Tu dois aussi faire jouir ta femme. Pour qu'elle n'aille pas dehors. Et quand une femme juge, tu connais. Même si elle n'est pas femme fontaine, tu ressens quand même que c'est en train de. Hein, que ça danse dedans là. Hein, ça glisse trop. Alors que tu n'as pas mis le lubrifiant. Oui. Banga Diaspora, quelle inspiration. Ouais, l'inspiration de ça. Banga. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Oncle Benz, ouais, tu as fait goûter ça à quelqu'un. Tu m'as confirmé ça. C'est la magie seulement. Quand tu prends ça. Non, non, non. Et la différence entre l'homme et la femme, c'est quoi? Quand l'homme vieillit, il jouit vite. Il a ce qu'on appelle le trop-plein. La verge est fragile. Donc ça lâche rapidement. Quand la femme vieillit, l'orgasme va loin. Ça entre plus haut. C'est-à-dire quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Soit tu as l'expérience pour la faire descendre, pour jouir. Et comme toi aussi maintenant, tu as devenu tellement millionnaire, tout et tout. Ton problème, c'est qu'elle a accouché beaucoup d'enfants. Hein? Tu ne veux pas descendre en bas. Tu ne veux pas descendre en bas. Bon, tu veux qu'elle fasse comment alors? Il y a un on va faire dans la langue. On va lire comme. Oui, bon, il y a un où veux-tu l'exemple? Non, man. Ah, man, eh, quoi? Nous, on a ah bon, que ça fait comment? Ah, mon man. Ouais, tu vas voir, tu vas lire le. Salopard. T'as dit qu'il y a l'âge dans ça. Ah, les vieilles mères partout, les femmes de 70 ans qui cherchent les hommes ici dehors. Les 60 ans, donc. C'est ta femme qui a 40 ans qui n'a pas le droit de jouer. Hein? C'est ta femme qui a 50 ans qui ne doit pas jouer. Tant qu'elle peut jouer, elle doit jouer. Voilà. C'est la seule chose qui vous reste. Quand on a un million, mon frère, la seule chose qui nous reste, c'est la jouissance. Voilà. Donc, je vous ai passé une bonne journée. Donc, mon numéro, c'est le 683-40-97-55. 683-40-97-55. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc si tu as besoin, tu me contactes à mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Si tu es dans notre pays, tu appelles, voilà, je te donne le contact. Et puis voilà, on te balance là-bas, tu payes les frais de transport. Et puis bon, si tu as quelqu'un au Cameroun qui va monter, tu envoies l'argent par dépôt, voilà. Et puis on remet ça à ta personne ici, qui monte avec. Bon, si tu veux, on emballe bien, que la personne ne voit pas. Mais fais attention, quand tu donnes un colis à quelqu'un de prudent, il doit chercher à connaître ce qui est dedans. Voilà, tu ne peux pas me donner quelque chose. C'est pourquoi il dit aux gens souvent que ça ne vaut pas la peine de dire qu'un Banga Diaspora emballe. Parce que quand on emballe le gars, quand j'envoie souvent mes gars, j'allais remettre. Il dit que gars, comment il dit qu'on ne déballe pas? Il doit déballer pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est normal. Il faut être bête pour prendre un colis sans connaître ce qu'il y a dedans. Au moins, on va voir quand même l'emballage. Pas donner un truc à quelqu'un fermé dans l'emballage. C'est quoi? S'il pas entrer dans les problèmes avec toi, il dit quoi? Donc voilà le produit. Donc voilà. Passez une bonne journée. Love you.